Lundi 25 novembre, 22h36. La vérité a l'amertume d'un médicament. L'avaler d'un coup peut provoquer la mort. La vérité ne blesse pas, elle tue. Alors que le hurlement est l'éternelle litanie d'Orphée. Moi, j'adorais l'ascenseur. Je prendre pour méditer. Tu appuies sur un bouton, tu montes ou tu descends. Parfois, il tombe de panne que tu es dedans, mais comme la vie, hein, pleine de panne. Monsieur Amédéo, c'est le seul qui prend pas l'ascenseur à cause qu'il a compris que ça me retombe sur chignon chaque fois qu'il se déglingue. Vrai, les malheurs de cet ascenseur, j'en vois plus le bout de la fin. Il y en a même un qui pisse dedans en douce. La plupart de mes clients, c'est des immigrés. Hein, je te les connais par cœur. D'un seul coup d'œil, je peux te dire qui c'est qui vient d'un pays et qui c'est qui vient d'un autre. Alors je te le dis, Amédée, c'est un Italien. Amédée, c'est Amédéo en fait. Mais nous, à Rome, on a l'habitude de zapper la fin des mots, donc pour moi, c'est Amédée. Ah bon ? J'ai pleuré toute seule dans le cabinet. Mais dans le cabinet, personne ne vient pas me sauver. Je préfère les escaliers parce que Monsieur Amédéo ne prend pas l'ascenseur. Il est le seul qui me demande comment je vais. Monsieur Amédéo, he's a good, eh? He's very good, eh? Il vient souvent to my magazine. He's no Italian comme les autres, eh? He's no racist and he's no fascist. He's good. Dimanche 16 mars, 23h38. Je passe pour quelqu'un de bon aux yeux de tous, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Amédéo, comme il m'appelle, pourrait n'être qu'un masque. Moi, je suis un animal sauvage. Je ne peux pas abandonner ma nature première. Ma mémoire est un animal sauvage et je suis un loup. Monsieur Amédéo est la seule personne tolérante dans l'immeuble. Il a toujours traité Valentino avec affection et tendresse. Sa femme, Stefania, déteste les chiens. Elle s'est plainte plusieurs fois de Valentino. Samedi 25 février, 23h07. Impossible de convaincre Parvis. Je lui ai dit que Johan Van Marten n'était pas un espion, mais un étudiant hollandais en cinéma, il ne m'a pas cru. Les autres l'appellent le blond. Johan essaie de raconter leur histoire dans un film. Un film qui rendrait hommage au cinéma néo-réaliste italien. Ce matin, il est venu me voir et il m'a demandé de l'aider à convaincre les autres. Tous les habitants de l'immeuble, il voudrait les faire jouer dans son film. Alors vous me dites qu'Amédéo est immigré et non pas italien, mais moi je ne fais pas la différence entre un immigré et un italien, mais je sais faire la différence. Entre quelqu'un qui veut travailler de quelqu'un qui est paresseux. C'est étrange cette question sur la véritable identité d'Amédéo. Comme s'il y avait un vrai et un faux Amédéo. Il n'y a qu'un seul Amédéo. Celui qui m'a aimé et que j'ai aimé.